n'ayez pas peur. Où est Francesco? Avance, il va venir, t'énerve donc pas. Oh, regarde Rita Hayworth. Ce qu'elle est belle. Ce que j'aimerais être aussi jolie qu'elle. Et quelles jambes? Oh, Charlot, Victor Mathur, il y a une vue qu'elle est grande. Charles Boyer, lui, c'est mon béguin. Moi, je l'aime pas beaucoup. Oh, Priscilla Lane, je vais essayer sa coiffure. Oh, ce que c'est beau. Encore ce baiser qui tue, il a du succès. Qui vous a donné toutes ces belles affiches? Un colleur d'affiches qui vient souvent dans le quartier. Dites donc, on est pressé, on n'est pas venu ici pour perdre son temps. Ce cinéma, on le fait, oui ou non? Bien sûr qu'on le fait. Alors essayez avec moi. Il te manque trop de dents. T'es guère photogénique. Mais toi, ce que tu te crois, Charles Boyer? Affiche le camp, t'es trop moche. Et moi, je peux essayer? Oh. Mais non, tu as trop de poitrine, chérie. Toi, comment tu t'appelles? Mirella. Oui. Toi, ça va aller. Hé, hey, Auguste, veux-tu fermer les volets? Julien, prêt pour la lumière? Allume. Non, non, j'aime pas ces manières-là, je rentre à la maison. Attends, attends, avant de partir, je veux que tu me donnes un petit baiser qui tue. Francesco, ce sont des lâches! Ce sont elles qui sont des gourdes, elles veulent pas se laisser embrasser. Alors c'est ça, les beautés que vous avez amenées ici, vous n'êtes pas très fort. Et toi, qu'est-ce que tu te crois? Oh. Francesco! Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Francesco est amoureux fou de moi, il m'a écrit des quantités de lettres. Moi, j'ai écrit à cette gauche. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour retourner auprès de sa maman? Je vais tout raconter, tu prendras quelque chose. Allez, sortez-la! Maintenant, tâche de pas aller le dire à ma sœur ou à quelqu'un d'autre. Ou je te coupe complètement les cheveux. Si je te fiche, je te coupe ce qu'il faut faire avec des abeilles. Hé, toi, la fille, la fille, la fille, la fille, hé, la fille, la fille, la fille, la fille, reviens. Mirella, tu as froid? Un peu. Eh bien, fais comme moi. Regarde, tu es toute mouillée. Enlève ton pull vert, il séchera. Enlève-le, donne, dépêche-toi. Enlève-le, je te dis. C'est ça. Mirella, je la remettrai dès qu'elle aura un peu séché. Tu crois qu'ils vont nous chercher dans le bois, qu'on sera punis quand on rentrera? Ce n'est pas de notre faute si on s'est trouvé sous la pluie. À quoi penses-tu? Quand je suis à côté de toi, je suis plus rassurée. Tu t'ennuies chez toi? Tu n'es pas heureuse? Ton père te punit souvent? Et ta maman? Francesco, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Moi? J'irai en Amérique. Est-ce que je pourrais y aller aussi? Certainement. Tu en es si certain que ça? Bien sûr, je t'épouserai.
Est-ce que t'as froid? Non, j'ai peur surtout. Tu te souviens quand je t'ai coupé une mèche? Tu sais, après je me suis repentie, mais sur le moment, je t'assure que je savais pas que je t'aimais. Oui. Dans ce temps-là, tu ne pensais qu'à voir Janina. Janina, qu'est-ce que tu racontes? Ça se voyait que tu l'aimais. Tu l'embrassais souvent? Moi? Qu'est-ce que tu vas chercher? Dis-moi, t'embrassais Janina. Toi, tu es jalouse. T'inquiète plus d'elle. Ce Janina n'est rien pour moi. Je l'ai liquidé il y a bien longtemps. Est-ce que tu me dis la vérité? Je te le jure. Je suis contente. Parce que s'il t'arrivait d'être amoureux d'une autre un jour, je crois que je serais très triste. Francesco, qu'est-ce que t'as? Rien. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu sais, je n'ai plus peur maintenant. C'est pas étonnant, puisque je te protège. T'as confiance. Dans 10 minutes, il aura cessé de pleuvoir. Faudra se dépêcher de rentrer au château. Pour l'instant, t'as qu'à te reposer. Oui. Tu es fatiguée. Dors un peu. Je te réveillerai quand il pleuvra plus. Il va voir quelque chose. Qu'est-ce qui te prend? Je te défends de faire ça, t'as entendu? Tu peux pas savoir ce qui me plaît, la princesse. Petite princesse. Petite princesse. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai dit de la laisser tranquille. Tu me cherches, tu vas me trouver. C'est ta faute, t'as fait exprès de les exciter. Que se passe-t-il? Voulez-vous vous retourner? Voulez-vous vous retourner immédiatement? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je ne sais pas, c'est peu de choses. Pourquoi vous battez-vous tous les deux? Répondez! Vous avez entendu ce que notre directrice vous a dit? Ces affaires-là, on les règle entre nous. Ça, c'est inouï. Vous serez privé de sortie. Vous resterez ici pendant la récréation. Premier jour, ça fait bon effet. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Moi, je m'en contrefiche de cette fille-là. Si tu t'en fiches, je t'occupe pas d'elle. Ça va bien, garde-la, elle est trop maigre. Silence! Les Alpes occidentales se divisent en Alpes maritimes, gossiennes et grées. Les Alpes orientales, à leur tour, se divisent en Alpes bavaroises, en Alpes noriques et styriennes, en Alpes cadoriques et en Alpes juliennes. Mirella, voudriez-vous répéter ce que je viens de dire? Je pense constamment à toi, je sens mon cœur qui bat quand tu viens auprès de moi, et c'est toi que j'attends, cher amour. Silence! Je veux voir ce billet. Apportez-le-moi. Mirella, venez ici. Voudriez-vous me dire à qui vous envoyez ce billet? J'avais retiré votre mère. Oh non, soyez gentil. Ne lui dites pas surtout. Ce sera affreux. Ne lui dites pas chez moi. Alors répondez. Je veux savoir à qui vous le destinez. À personne. À un garçon de votre âge, sans doute. Et vous lui avez déjà envoyé d'autres billets? C'est la première fois, je le jure. Retournez à votre place. Nous continuons, mesdemoiselles. Le sommet le plus élevé se trouve dans les Alpes occidentales. Et plus exactement dans le massif du Mont Blanc, constitué de pics, de rochers